Salut les touristes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Matos Plus. Cet épisode est encore une fois sponsorisé par Cafago, que je remercie chaleureusement de m'avoir envoyé cette petite console, la Q20 Mini. Alors, tout d'abord, avant de parler de la console en elle-même, quelques mots sur l'appellation. Sur le site de Cafago, elle est appelée Pokidi Q20 Mini. Alors, moi je ne l'ai pas appelée comme ça dans ma vidéo, tout simplement parce que sur la boîte ou sur la console, à aucun moment vous avez le logo Pokidi. Alors, est-ce que c'est le site qui a ajouté ça pour rappeler une marque qu'on connaît? Est-ce que c'est vraiment distribué par Pokidi mais pas fabriqué par eux? J'en sais rien, et en même temps, ça change pas grand-chose parce que Pokidi, ils ont fait du bon comme du moins bon, donc c'est pas forcément un gage de qualité. Et en même temps, c'est pas forcément un gage de médiocrité non plus, donc voilà, on va laisser sa chance à cette machine. Peu importe le fabricant, peu importe le distributeur, j'ai envie de dire, on va voir ce que ça vaut. Donc, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est la taille. Enfin, il y a deux choses qui sautent aux yeux. Il y a d'abord la taille de la console, elle est vraiment toute petite. C'est vraiment dans ce qui se fait de plus petit en termes de console portable. C'est vraiment pratique si vous cherchez quelque chose à mettre dans la poche, hein, y a pas de problème, ça rentre dans la poche. Par contre, si vous cherchez quelque chose avec un grand écran, c'est pas le bon produit. Et le deuxième truc qui saute aux yeux, bah, c'est forcément sa décoration façon manette Famicom, qui a été repris sur le Game & Watch de l'époque, et qui a été repris d'ailleurs sur la réédition de la Game & Watch officielle de Nintendo. Alors, si on compare les deux produits, bon, il y a un air de parenté forcément, mais voilà, la finition du produit Nintendo, sans grande surprise, est quand même un ou deux crans au-dessus de celle-ci. Même si elle n'est pas ridicule, on va voir ça en détail. Je la tiens à l'envers, je suis un gros noob, c'est comme ça. Ah là là, je vous jure. Donc, elle existe dans une autre couleur, qui est un dérivé de ça, mais avec des boutons blancs et une teinte orangée. Je sais pas en vrai ce que ça donne, mais sur le papier, ça donnait pas envie. Et heureusement, bah, pour cette fois, Cafago m'a laissé le choix de la couleur, donc je l'ai prise couleur Famicom. Et c'est plutôt joli. C'est vrai que le résultat est pas mal du tout. Alors, de près, les finitions sont pas parfaites, mais franchement, ça va, ça fait le job. C'est un produit qui coûte aux environs de 40 euros, un petit peu moins de 40 euros. Donc, voilà, pour le prix, franchement, c'est tout à fait honnête. On a donc notre croix de direction qui est vraiment bien, agréable en main. Nos quatre petits boutons qui font le job, un start, un select, un bouton d'option, un autre bouton d'option qui font à peu près la même chose. D'ailleurs, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi ils en ont mis deux, mais moi j'ai pas trop vu d'intérêt à avoir les deux. C'est pas grave. Un bouton L, un bouton R. Sur la tranche, on a un casque, un port micro SD. Un bouton de volume, enfin une molette, pardon, de volume, ce qui est beaucoup plus sympa que des boutons. D'ailleurs, enfin moi je préfère largement la molette à l'ancienne. Un port USB type C pour la recharge, et uniquement la recharge, hein, vous ne pourrez pas brancher une deuxième manette dessus. Et pour en revenir à la carte SD, sur le site de Cafago, vous pouvez choisir votre capacité. Moi j'ai pris celle de 64 Go, et il y a déjà des jeux préinstallés, mais j'y reviendrai. Sur ce côté, on a le bouton on-off. Et puis sur les autres côtés, on n'a rien du tout. Et donc, puisqu'on regarde la tranche, voilà, le premier truc qui me gêne un petit peu en termes de design, de fabrication, c'est l'épaisseur de cette tranche. Je trouve que, je sais pas, c'est... Par rapport à la taille de l'objet, ça me paraît épais. Alors c'est vraiment pas en soi handicapant, parce que ça rentre dans la poche hein, dans tous les cas. Mais je sais pas, moi je trouve que ça fait un petit peu gros. Bah, si on compare à celle-ci, forcément, mais même... Je sais pas, par rapport aux proportions de la console, je trouve que ça fait un petit peu épais, mais peut-être qu'il y avait des contraintes techniques, je ne sais pas. Bon, à part ça, bon, c'est plutôt un bel objet, hein, ça fait le job, c'est bon, c'est léger, hein, on sent que c'est pas un truc hyper qualitatif. En même temps, celle de Nintendo est très légère aussi. Donc voilà, pour ce qui est de l'écran, on est sur du IPS de 320 sur 240 pixels. Alors ça peut paraître petit, mais il faut savoir que bah, déjà pour la taille de la console, ça suffit largement. Et je pense même que c'est juste la taille parfaite. Parce que 320 sur 240, c'est la résolution native de
à peu de choses près, de la Mega Drive, de la Neo Geo. Vous pouvez aussi afficher en pixel perfect la Super NES, la NES, la PC Engine. Enfin bref, c'est une résolution plutôt judicieuse qui vous permettra d'avoir plein de systèmes dans le bon ratio et en pixel perfect. Et le rendu est juste vraiment tip top quoi. Alors déjà l'écran lui-même est pas mal, on a un bon contraste, on a une très bonne luminosité, on a des belles couleurs plutôt bien saturées mais pas dans l'excès non plus, enfin juste ce qu'il faut pour faire tourner les jeux rétro, c'est on aime quand ça pète un petit peu aux yeux. Donc vraiment, en termes de rendu d'image, c'est vraiment très très bien pour la petite taille de cette console. Si vous avez connu la Game Boy Micro et son rendu, qui était vraiment exceptionnel, bon, qui était encore plus petit que ça d'ailleurs, eh ben, on s'en rapproche, hein. On est dans du rendu de cette qualité, ce qui est plutôt bon signe. Voilà, là-dessus, ça fait le job. Seul petit bémol de l'écran, dans certaines conditions, on a un petit peu de tearing. Alors, le tearing, c'est quand il y a des scrollings hyper rapides et que l'écran a du mal à suivre et ça saccade un peu, ça hache un petit peu l'image. On l'a, mais vraiment dans des cas particuliers. Alors c'est rigolo, je pense qu'il y a un côté software qui a du mal à gérer ça. On l'a sur Sonic, sur Master System par exemple. Alors qu'on l'a quasiment pas sur Sonic Mega Drive. Donc voilà, selon les jeux, ça peut arriver d'avoir un petit peu de tearing. Mais franchement, dans 99% du temps, ça gênera vraiment pas du tout l'expérience de jeu. Donc là-dessus, pas de problème. Donc l'écran, nickel. Les commandes, j'en ai parlé vite fait, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé une fois en jeu. Les commandes, j'ai rien à leur reprocher, vraiment, ça réagit au quart de poil. La croix est pas très grosse, forcément, les boutons non plus, mais ça suffit, hein, on s'en mêle pas les pinceaux, et la croix réagit au quart de tour. J'arrive à sortir mes shoryuken, y a pas de problème. Donc, niveau ergonomie, niveau écran, c'est du tout bon. Niveau son, ça marche bien aussi. Alors, on a juste un petit haut-parleur mono, là, mais... Il balance assez droite par rapport à la taille de la console, hein. Je sais pas si ça va être dégueu là, mais moi je vous dis que ça marche, franchement, ça marche vraiment bien. Bon, j'ai pas essayé la prise casque, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc là-dessus, pas de soucis. On va maintenant parler des choses qui fâchent un petit peu plus, le côté logiciel de la machine. Donc c'est une machine qui tourne sur Gmenu NX, alors j'ai noté parce que je retiens jamais le nom de ce truc, qui est un système qui tourne, qu'on trouve sur des machines du type Dingu, et qu'on a trouvé à l'origine sur GP2X. Alors si ça vous parle pas du tout, la GP2X, c'est ça. C'est une machine, c'est une des premières machines vraiment qui était dédiée au rétro gaming, et c'est sorti en 2006. Donc vous avez dans cette petite machine un système d'exploitation qui date de 2006, enfin qui a eu quelques évolutions, mais grossièrement c'est ça. Donc c'est pas tout jeune, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Bon, ça se voit, l'interface, ça fait un petit peu daté, les icônes, ça fait... On n'a plus trop l'habitude, mais pourquoi pas, si ça fait le job, il n'y a pas de souci. Donc, dans la carte SD que vous allez recevoir avec, les émulateurs sont déjà préinstallés, on trouve même des ports de jeux PC comme Doom, Heretic, Exen, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais plus, Beats of Rage, enfin, il y a quelques trucs qui sont ajoutés en plus des émulateurs. Et vous avez un bon paquet de ROM qui sont déjà fournis sur la carte SD, avec les jeux, souvent les jeux les plus populaires. Donc, niveau contenu des jeux, c'est plutôt généreux, c'est plutôt bien. Par contre, les émulateurs, il y a quelques petits soucis, je trouve. Alors déjà, pour tout ce qui est arcade, il y a un seul émulateur qui gère tout, c'est Final Burn. Alors Final Burn, il marche très bien sur le CPS1, sur le CPS2. Par contre... Sur la Neo Geo, ça merde un petit peu. Alors les jeux pas trop gourmands de la Neo Geo, ils vont bien tourner là-dessus. Par contre, j'ai essayé du Metal Slug 3, du Art of Fighting 3. Ça met une plombe à charger la ROM, mais quand je dis une plombe, ça met bien 3-4 minutes sans exagérer. Et au final, ça rame, mais ça rame sévère, quoi. Donc c'est pas jouable, clairement. Les jeux même, c'est pareil, hein. Une fois que vous prenez des jeux un petit peu gourmands, ça y est, la console est à la ramasse. La Super NES, ça marche tant qu'il n'y a pas de mode 7. Dès qu'il y a du mode 7, ça y est, la console est dans les choux. Le Super FX, on parle même pas, hein, Star Wing là-dessus, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui merdouille? Alors, on a la PlayStation. Il y a la PlayStation, l'émulateur PlayStation qui est par défaut activé avec un paquet d'ISO quand même, ça bouffe un petit peu de place. Mais les jeux PlayStation rament aussi, donc je vois pas trop l'intérêt. Alors, il y a peut-être un ou deux jeux en 2D... de la PlayStation qui tourne à peu près, ok.
mais les trois quarts des jeux qui sont déjà préinstallés là-dedans sur PlayStation ne tournent pas. Ou alors ils tournent très mal, ils tournent au ralenti, donc je vois pas l'intérêt. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand même la Neo Geo Pocket. La Neo Geo Pocket rame là-dessus, alors que la Neo Geo normale, certains jeux tournent. Et là, je me dis, bon, soit la console n'est vraiment pas puissante, bon, il y a une part de vrai, la console n'est pas très puissante, soit il y a une couille niveau logiciel. On va y revenir. Bon, alors il s'avère qu'en effet, la console n'est pas hyper puissante, hein. On est sur un système qui est déjà assez vieux. Forcément, à 40€, vous n'allez pas avoir un processeur de folie. Donc, on est limité. Mais on pourrait espérer au moins jouer jusque... à s'arrêter avant la PlayStation 1. Étonnamment, d'ailleurs, la Game Boy Advance tourne super bien. Même les jeux en pseudo 3D, ça tourne bien. Donc, la Game Boy Advance tourne bien. Et la Super NES tourne mal. Et un autre truc qui est un petit peu dommage, mais ça... c'était inévitable, j'ai envie de dire, c'est l'émulation Game Boy. Alors, l'émulation Game Boy tourne très bien, il n'y a pas de problème là-dessus, ça rame pas, encore heureux, ça reconnaît bien les jeux, il n'y a pas de souci. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est, à cause de la résolution de l'écran, vous ne pourrez pas jouer en pixel perfect à la Game Boy. Soit vous allez jouer, enfin vous pourrez, vous vous mettez en ratio 1-1, et là vous avez un écran tout petit à l'intérieur de l'écran qui est déjà pas très gros. Soit vous étirez à la hauteur de l'écran et vous avez quelque chose d'un petit peu flou et c'est pas très agréable. Et c'est un petit peu dommage que sur une console qui a cette gueule, on aurait adoré jouer à la Game Boy dans des conditions parfaites. Et ben c'est pas le cas. La Super NES, la NES sont mieux rendues que la Game Boy. Bon, là je chipote un petit peu, mais franchement, moi ça m'aurait vraiment plu d'avoir une toute petite console comme ça pour jouer à la Game Boy. D'ailleurs, petit tuyau pour les fabricants de consoles chinoises qui, évidemment, regardent mes vidéos. vous faites une mini Game Boy non officielle avec un ratio d'écran qui est compatible avec les proportions de la vraie Game Boy avec un rendu au poil de cul. Mais ça ferait un tabac, quoi. Vraiment. Bon, bref. Alors, au final, est-ce que je vous recommande cette Q20 Mini ? Eh ben dans l'absolu, c'est pas une mauvaise machine. Ça rentre dans la poche, c'est tout petit, c'est mignon. Vous pouvez faire tourner de la Mega Drive, de la Super NES dans certaines conditions, de la Game Boy et pas mal de consoles finalement. Pour moins de 40€, ça peut sembler être une affaire. Et ben pourtant, j'ai pas envie de vous la recommander, j'ai pas envie de faire de pub pour cette machine. Pour une simple raison, enfin pour deux raisons en tout cas, c'est ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une Pocket Go. Et la Pocket Go, c'est la petite sœur de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Eh ben ça, c'est une Beat Boy. Alors la Beat Boy, j'ai acheté ça il y a un peu plus de 2 ans. Je crois que c'est sorti il y a à peu près 3 ans. Ça ressemble à une Game Boy, ce qui pourrait être une Game Boy Mini. C'est trop mignon. Ça ressemble vraiment à une toute petite Game Boy en beaucoup plus petit. Attendez, je laverai à côté. Ça, niveau taille, ça n'a rien à voir. On est aussi sur un écran 320x240. Et ça donc c'est sorti il y a 3 ans, quand c'est sorti, ceux qui ont fait les tests étaient un petit peu mitigés, voire pas du tout chaud, parce qu'elle avait des problèmes, des gros problèmes de logiciel qui la rendaient instable, avec pas mal de plantages, et un écran qui affichait un tearing quand même assez prononcé. Petit à petit, il y a eu des correctifs, à la fois au niveau matériel, au niveau logiciel. Au final, la dernière version de cette console était tout à fait stable. L'écran avait encore un petit peu de tearing, mais c'était tout à fait acceptable. Et moi, je l'ai acheté sur sa dernière version et j'ai trouvé cette console vraiment super intéressante. Ça devait coûter à peu près 30€. Quelques temps après, ils ont sorti celle-ci, donc la Pocket Go. Hein, donc niveau hardware, c'est quasiment la même chose, sauf qu'ils ont corrigé certaines erreurs. Donc du coup, maintenant, il y a des gâchettes qu'il n'y avait pas avant. Et l'écran n'a quasiment plus de tearing. Et en fait... cette Pocket Go, eh ben, c'est la même que celle-ci. C'est juste la même console, quoi. Enfin, alors, il y a peut-être des différences à l'intérieur, mais n'empêche que niveau écran, je les ai bien comparés. C'est la même taille d'écran, c'est la même qualité d'écran, il n'y a vraiment rien à redire. Niveau interface et système d'exploitation, c'est le même. J'ai essayé, hein, j'ai interverti les cartes SD sans rien faire d'autre. Ça marche, l'une sur l'autre. Sauf que sur celle-ci, par défaut, eh ben, on a des trucs qui tournent et qui ne tournent pas sur celle-ci. On a un émulateur Neo Geo qui prend en compte
carte qui prend en compte n'importe quel jeu quasiment et qui le fait bien tourner. Art of Fighting sur l'émulateur Neo Geo là-dedans tourne très bien alors que là-dedans il tourne pas bien. Si j'intervertis les cartes SD, bien sûr, il va bien tourner sur celle-ci aussi. Donc celle-ci peut faire tourner très bien la Neo Geo, sauf que l'émulateur qu'ils ont mis par défaut, il le fait mal. Donc c'est un petit peu dommage. Si vous voulez l'exploiter à fond, il va falloir refaire de la bidouille. Et celle-ci propose plus d'émulateurs, des trucs mis à jour. Enfin, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est un petit peu mieux. Mais surtout, celle-ci, elle est sortie à peu près au même prix, voire un petit peu moins cher, il y a 2 ans. Donc, payer 40 euros il y a 2 ans pour ça, bah pourquoi pas. Payer 40 euros aujourd'hui pour celle-ci, bah si vous n'en avez pas, éventuellement, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on me refourgue un vieux produit qui a été vite fait relifté, vraiment vite fait. Et au final, bah je préfère celle-là. Après, ça peut, c'est pas tout à fait objectif, hein. Il y a le côté design que je trouve plus sympa sur celle-ci, ça c'est vraiment subjectif. Je trouve qu'elle est plus fine, ça se tient à pas grand-chose, mais elle est un petit peu plus fine. Et surtout, niveau logiciel, elle est optimisée, celle-ci. Donc voilà, c'est pas une mauvaise console, hein, cette Q20. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir une Pocket Go relookée, et qui est un peu régressée, et qui est pas moins chère. On m'aurait fait celle-là à 20€, là je dis oui, il n'y a pas de problème. Là, je suis pas très emballé, quoi. J'ai pas forcément envie de vous la recommander. Si vous voulez mettre 40€ dans ce genre de truc, regardez ce qui se fait déjà au niveau de l'occasion. Vous pouvez peut-être choper une RG351 à ce prix-là, sans problème, je pense. Ou regardez dans d'autres consoles, la RG350, par exemple, qui commence à être un peu vieille, mais reste plus performante que ça. Alors oui, c'est un peu plus gros. Si vous cherchez vraiment quelque chose d'hyper compact, bah oui, allez-y. Dans la taille-là, je pense qu'il n'y a pas forcément mieux, encore que j'ai pas tout essayé non plus. Donc voilà, plutôt... j'ai pas envie de vous la recommander, cette Q20. Moi, je trouve que voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. En tout cas, moi, j'ai déjà vu. C'est un peu du recyclage. Et c'est un petit peu dommage. Voilà. Et bien, sur ce, je vous dis à la revoyotte. Et à bientôt pour plus de rétro gaming.